Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Soël Ayari sur le circuit de la Ferté-Gaucher en compagnie de Soël. Soël, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui pour cet épisode, je te propose d'essayer l'Astra la plus rapide, la plus puissante jamais construite. Il s'agit de la dernière génération d'Astra OPC. J'oserais rajouter la plus belle aussi, non? Non, mais comme tu veux. D'accord. Donc cette Astra OPC est particulièrement réussie. On se rend compte qu'elle a un look qui colle bien à sa vocation de sportive, hein, avec un bouclier très agressif, tu as des jantes à 20 pouces, tu as également deux sorties de chapin, un béquet arrière, et globalement, c'est quand même très sympa. Moi, je trouve que, alors, c'est mon goût personnel encore une fois, mais je trouve que c'est la plus réussie de la catégorie pour moi. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette Astra OPC. L'intérieur, on est dans un intérieur habituel pour les Opel. Moi, j'aime bien, c'est sobre, efficace, c'est bien fait. Les matériaux sont, je ne vais pas dire top, mais sont pas mal, sont corrects. Après, le premier truc quand on s'installe dans la voiture, c'est les sièges sont fantastiques. Ils maintiennent très très bien. En plus, ils sont jolis et donc ça, c'est un bon point. Le deuxième truc, là, c'est plus côté pilote. Le pédalier est joli, mais il y a un peu trop d'écart entre le frein et l'accélérateur. Du coup, pour les amoureux du talon pointe, là, on est avec une boîte 6. Pour les amoureux du talon pointe, c'est une gymnastique. Ça se fait, hein, mais c'est juste. On est vraiment dans un intérieur engageant avec vraiment une super sonorité. Le moteur, le 2 litres turbo, fait un super bruit. Moi, j'aime beaucoup. Donc 280 chevaux, 40 mètres kilos de couple, donc vraiment un couple de camion. Et un poids correct, elle est 1400 kilos maintenant. 1400 kilos, on va dire que c'est presque une voiture pas trop lourde, quoi. Enfin, ça reste une voiture quand même pas légère. Mais c'est accompagné. Enfin, donc on est sur une version OPC avec bien sûr un autobloquant. Donc moi je me rappelle que sur la Corsa, j'avais bien aimé l'efficacité de l'autobloquant. On va voir si ça se traduit ici. Allez, on va mettre un peu de gaz pour voir ce que ça fait. Déjà, en entrée, en sortie, je suis sorti en deux, j'ai tout passé par terre. Donc en entrée, c'est pas mal. La boîte, ça accroche un petit peu. On va voir si ça se reproduit. Alors en sortie, déjà, on va dire que la motricité est parfaite. On retrouve l'efficacité de l'autobloc comme on avait eu sur la petite Corsa. Là, ils ont vraiment un système qui marche très très bien. 280 chevaux, 40 mètres kilos, vraiment tout passe par terre. Ça, c'est assez étonnant. Il fait sec aujourd'hui, mais bon, quand même. Elle est un peu feignante en entrée. Moi, j'aurais aimé une voiture un peu plus équilibrée. Là, on est vraiment sur une auto où si on rentre, regardez, là, je rajoute du volant, je suis obligé. Bon, quand je rajoute du volant, elle y va quand même, hein, mais on tire sur les pneus. Par contre, en sortie, c'est un bonheur. Incroyable. Là, une entrée en 3 sur un 90. Encore une fois, du sous-virage en entrée. Là, une épingle en 2. Vas-y, je braque. C'est dommage, ça. On aimerait un train arrière plus mobile sur les entrées, surtout quand on rentre sur les freins. Voilà, encore dans ce coude-là, elle est venue un petit peu. C'est pas mal, mais c'est pas un tempérament vraiment sportif. Par contre, c'est une efficacité, il y a un vrai grip. Les freins, ça a l'air de vraiment bien freiner. C'est une auto qui va faire des bons chronos. Par contre, c'est pas une auto où on va s'amuser beaucoup au volant. Il faut régler le train arrière avant. Sinon, ce serait une auto efficace. Et moi, je mettrais un point d'interrogation sur la boîte de vitesse. Elle a quand même sauté 2-3 fois. Et c'est une auto qui a 5000 km, c'est pas normal. Voilà.
Bon, Soël, donc verdict sur cette Astra OPC, je crois que le mot d'ordre, c'est efficacité. Oui, honnêtement, moi j'ai roulé avec une voiture ultra efficace, pas rigolote, mais très efficace. Donc ça pousse, vraiment le moteur marche très fort. Toute la puissance passe au sol, l'autobloquant est très bien fait, le train avant est très bien fait en sortie. Après, en entrée, on voudrait une voiture plus sympa, avec plus de turning et un arrière qui accompagne un peu. Elle est un peu feignante à l'entrée, on va toujours être dans des phases où on va sous-virer en entrée. Donc, c'est pas une voiture très rigolote, par contre, ça fait des gros chronos parce que on peut reprendre les gastos, toute la puissance passe au sol, ça ressort très vite parce que le moteur marche très bien et les freins il faut parler aussi des freins, c'est une voiture très bien équipée en freins et en pneus. Il y a un gros grip avec vraiment un gros freinage, donc ça c'est vraiment les bons côtés. Après pour ceux qui veulent s'amuser avec, parce qu'à mon avis c'est possible, il faut juste régler un peu la géométrie arrière, mettre un peu d'ouverture pour, je suis sûr qu'on peut en faire une voiture efficace et rigolote, voilà. Donc prochain rendez-vous bien sûr le mois prochain, on vous donne déjà le véhicule, ça va beaucoup buzzer, il s'agit de la toute dernière Clio RS.